Le syndrome alvéolaire traduit le comblement des alvéoles pulmonaires par du liquide et des cellules. Radiologiquement parlant, nous avons des opacités effaçant les contours des vaisseaux pulmonaires et des bronches. La sémiologie est caractérisée par l'hyperdensité du parenchyme pulmonaire, dont la densité est suffisante pour effacer les cessures, les contours des vaisseaux, les parabronchiques. Contenant un pancogramme aérien, comme nous pouvons le voir sur cette image, l'hyperdensité dont la topographie est soit bien limitée, soit systématisée, à un poumon, à un lobe ou à un segment, en général unilatéral au début, soit mal limitée et en général bilatéral d'emblée. L'évolution est généralement rapide.